Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo. C'est vous le sujet principal. C'est tous les motards que je croise souvent en balade. J'avais envie un peu de vous mettre à l'honneur. C'est rien de particulier. C'est pas une déo de fou avec la police, des accidents et tout ça. C'est une déo, cette fois-ci, positive. Où il n'arrive pas de tuer la personne. En tout cas, rien de grave. Et voilà, j'espère que vous en profiterez et que ça vous fera plaisir. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner. Franchement, c'est un petit clic. Et si vous êtes chaud, vous faites même deux clics, vous mettez encore la cloche. Moi, je suis ravi. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Go ! Tu vois, les cyclistes qui prennent pas la bande cyclable et qui après vont se plaindre si jamais on... Ouais, je sais, je finis pas mes phrases des fois. Bien, bravo. Ouais, vous avez compris le truc, quoi. J'ai quand même fait une belle illustration. Ouais, Pépé, je vais pas te dépasser ici, hein. Allez, si tu te dépêches, je passe, hein. Faut que tu te dépêches, hein. Des petites loupiottes rouges là, j'ai pas compris. Pourtant j'étais loin du lecteur. D'habitude j'aime bien ce petit virage, mais là il y avait des enfants, alors je suis resté sage. Ah, fait chier là, putain. Pourquoi à 3 km, il n'y a rien entre ici et 3 km. Au 7, 10. Mais on est le combien là? Eh les gars, oh. Ah ouais. Oh, c'est vachement mieux ici quand il n'y a pas les maïs. Ah, tu vois vraiment la chicane. Tu vois s'il y a quelqu'un qui vient en face, si ça va mordre. Oh, putain, ils ont refait ça. Mais c'était nickel avant. Et là, laisse tomber le champ de patates, quoi. Franchement, la route, elle était nickel avant. Il n'y avait vraiment pas besoin de refaire ces bandes de goudron de merde là, qui servent à rien, elles sont pas droites. Les vieilles rustines là. Je sais pas si je l'ai pas déjà croisé. Lui. Et là, il y a mon cerveau qui passe en mode con. Ouais, c'est pas faux. Parce que je viens de voir une moto devant. Et du coup, j'aime bien la rattraper, pas pour la dépasser, hein, faire un kéké de base. Juste parce que j'aime bien ça. Là derrière lui, je dois me sentir comme Goeri quand il me suit dans l'école, quoi. Sauf que je vais pas le bouffer avec un freinage massif juste avant le virage, quoi. Avec toutes ces valises qu'il y a derrière, j'arrive pas à voir c'est quoi comme moto. Je me demande si c'est pas une multistrada avec 4S. Je connais pas assez bien le feu derrière. Petit radar, petit radar. Voilà, les petits radars de Strasbourg, là, où ça change de vitesse tout le temps, là, en fonction des heures. 90, 70, voilà. Petit bonheur la chance, hein. Mais pas les week-ends, et... sauf quand il y a Mario Haute aussi, voilà. Pour que les règles soient bien simples, histoire que vraiment ce soit sûr que personne se fasse baiser la gueule, parce qu'il n'a pas fait gaffe à l'heure, voilà. Ou au jour qu'on est. Voilà, super. J'entends un petit truc. Enfin, je me demande s'il a pas la musique sur sa Harley, le gars. Mais je vous promets, j'entends un peu de zik. Je pense qu'il a la musique sur sa Harley. Enfin, moi, j'entends vraiment, je la distingue à peine. Mais je pourrais pas dire ce que c'est le morceau. D'ailleurs, c'est pas dit que je le connaisse, hein. On n'écoute pas forcément les mêmes références musicales. Ouais, ouais, c'est sûr, il a de la musique. Ou alors, c'est moi quand on est dans mon intercom, hein, ce qui serait bizarre. Ah ouais, il a de la zik, c'est sûr. Ah, stylé. En tout cas, il est moins raisonnable que moi avec sa Harley.
J'aurais pas roulé si vite là où c'est limité à 90. Il tartine le gars en Harley. Il tartine de ouf. Vous me direz si vous pensez que c'est à cause de moi qu'il tartine. Non, non, je le colle pas pour lui mettre la pression. J'aime bien ça avec Anne, c'est tout. Bon, si j'articule pas, c'est parce qu'il y a le putain de GPS qui me parle super fort en même temps. Veuillez tourner à droite. Veuillez tourner à gauche. Attends, je vais couper le son parce que de toute façon, je connais le chemin. Me casse les couilles. Me dis 10 fois de prendre la telle sortie. C'est bon, une fois, ça suffit. Par contre là avec le soleil je vois R les gars, mais R de chez R. Il y a des moments je suis dans le noir. What the fuck? Regarde la plaque. La plaque de ouf. Ça va, ça va. Un petit pipi. C'est quoi cet engin là? Truc de ouf, mon gars. Gets los. Putain de Taras. Et il sert bien à gauche pour bien casser les couilles. Ah bon, il sert maximum à gauche. J'ai pas envie de faire une dinguerie et de le dépasser par la voie de stockage. Faux. Parce que moi avec ma chatte, je tombe sur les keufs direct. Ouais, c'est pas faux. Mais il me casse bien les couilles. Hein. Alors regardez bien comment il sert bien à gauche. Avec sa gueule quoi. On va lui mettre les phares quand même. Regardez, il mord carrément sur la ligne. Le maximum pour casser les couilles. Voilà, ça servait à rien de faire chier, j'allais fatalement passer quoi. Et bien on l'emmerde, bouffon là. Alors le panneau avion là. Faut me l'expliquer. Tu vas pas te précipiter devant ma gueule hein. Alors, faut pas déconner. Nur auf 102 Sekunden. Los geht's. Alors ça c'était gratuit, c'était pour vous. Je suis un mec, je suis comme ça. J'ai pas aimé qu'ils grattent une moto, là. C'était pas cool ça. J'ai quand même vu comment les Allemands ils se prennent pour les rois du monde avec leur grosse voiture là. C'est juste la raison pour laquelle je l'ai calmé, parce que franchement j'ai failli déboîter. Et lui il a anticipé, il est sorti avant la fin de l'interruption de la ligne continue. Il a anticipé pour espérer bouffer tout le monde. Voilà, moi je suis le boss, j'ai une Audi, qu'est-ce qu'il y a, je vous encule. Ah non, moi aussi je l'encule. Oh putain! Pas d'essence! Non, c'est pas à chaque fois la même Porsche que je croise à Gamsheim systématiquement. Moi je regarde la plaque. J'ai pas aimé comment t'as pris ton temps pour démarrer toi. Si j'ai moyen de me venger, je vais me venger. Première étape, te dépasser. Ça devrait pas être très dur. Deuxième étape, te foutre les boules. À 50, tranquille. Troisième étape, faut que tu roules un peu mec. Hein. Troisième étape, ça dépend. Si j'ai ta moule, il y a moyen que je te nique bien la gueule. Et ici c'est 40. Bah, on va rouler à 40. 40. Bah, j'ai réussi à rouler à 30 en Allemagne. Je peux bien y arriver ici aussi. Juste pour lui montrer qu'un motard, il finira toujours par le dépasser. Pas mal. Il y a deux motos à contre-jour, je vois pas du tout ce que c'est, quoi. Salut les gars. Vas-y, je suis jamais passé par là. Bon, c'est vachement droit, quoi. Allez, d'accord. Alors là... Si tu veux, si tu sais, cherche un endroit où, oh putain, où tu veux faire un petit saut, eh ben c'est là mon gars. Le petit Doda mon gars. Wow, le Dotan, le plus haut de France, il est là. Cherchez pas. Hein. Les gars, si vous avez une enduro là, il y a moyen. Hein. Bon, voilà,
les gars, je vous laisse ici. Et puis, j'espère que vous avez pensé à laisser un petit j'aime, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Ça fait super plaisir. Voilà, moi, je vous fais une vidéo et vous mettez un j'aime. Tranquille.